petite vidéo que je vous avais promis de comparer la chocolate bar avec la I Love Makeup, qui est un substitut, on va dire. Bon, je ne vais pas vous représenter la Too Facile ou la Too Fast, parce que je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Elles sont très bon le chocolat. De toute façon, elle est en vente en ce moment sur Sephora. Voilà, là, je me suis mis en face de la lumière pour que vous voyez, parce qu'il pleut aujourd'hui. Donc, vous la connaissez toutes, vous avez vu la présentation. Et Nathalie Brunet m'a envoyé gentiment la I Love Makeup This by Chocolate. Voilà, je vais l'enlever de son petit emballage de protection. Elle se présente comme ça, pareil, en forme de chocolate, de barre. Et derrière, ça se présente comme ça. Et quand on l'ouvre, il y a un petit, j'ai assez de batterie, ça se présente comme ça, avec un grand miroir. Voilà, excusez-moi, vous voyez la caméra. Et le nom des fards. Alors, on va commencer par la première ligne, si je reprends mon petit papier. Là, avec un petit pinceau en embout mousse. Et je vais vous faire ligne par ligne. Alors, la première ligne, c'est White Light. C'est un sort de beige mat. Après, il y a Dented Co, qui est un marron irisé. Voilà. Après, il y a Break Me Up, qui est un marron mat. Voilà. Après, il y a Consume Me, qui est un marron irisé un peu plus foncé. Et on finit par All Is Lost, qui est un noir, on dirait. Un noir un peu mat. Voilà. Je vais essayer de vous montrer en swatch. Ça fait ça. Je vais me débarbouiller, que tes lingettes avant de servir. Ouverte encore. Hop. Et c'est bien pratique. Bon, déjà l'odeur, elle est un peu plus chimique. Ça a une odeur, mais pas comme la chocolate bar, c'est beaucoup plus chimique. C'est moins agréable, on va dire, mais elle est beaucoup moins chère. Après, en deuxième ligne, que je reprends ma petite, la Lick Me. Voilà, qui est une sorte de beige. Vous voyez là. False Gold, qui est un doré. Il y a One More Bar, qui est un marron chocolaté, mat. Voilà. Après, il y a Devour Me, qui est un marron aussi, un peu plus foncé. Comme vous voyez la différence. Après, il y a un Tear the Wrapper, qui est un chocolat irisé. Là, je vais le mettre en swatch sur les mains. Comme vous voyez, ça rend ça. C'est très agréable, hein, ça ramasse pas mal. Les fards prennent bien, je trouve, sur la main. Après, il y a un sport de violet. Love You to This. C'est celui-là, c'est le dernier que j'ai pas fait. Parce que j'ai pas assez de mains. Voilà, qui est une sorte de prune marron, mais qui tire un peu au violet. Dernière ligne qu'on va faire. Après, il y a Pray For Me, qui est un marron doré, comme vous voyez. Il y a Deepid, qui est un petit marron un peu plus clair, comme vous voyez, à peu près comme l'autre. Après, il y a Tease Me. Voilà, qui est un marron, mais qui tourne plus au bronze, comme vous voyez. Et le petit dernier, c'est Set Me Free, qui est un petit marron brillant, vous voyez. Petit, je vais vous le mettre sur ma main.
Voilà. Soit ça fait ça. Voilà. Hop, je nettoie. Et la dernière ligne, que souvent se mettre sur les arcades généralement, c'est Bring Down Angel. Oh, pardon, c'est celui-là. Voilà. Qui est un champagne, on dirait. Voilà. Je vais vous le comparer avec l'autre qui est là. Qui est White Light. Voilà, il y a un qui tire plus au doré et un qui est plus vert même. Des blancs, on va dire. Les illuminateurs. Ouais, il y en a un, le dernier, il est plus champagne doré et l'autre, il est plus, je dirais, beige. Voilà, pas sur les références. Voilà, là, ça tombe plus au doré et là, ça tombe plus couleur peau, on dirait. Voilà. Je vous verrai le lien si je trouve un lien. C'est la Alloy Makeup. Voilà. Qui est un substitut pas mal de la chocolate bar. Et j'ai perdu son petit pinceau. C'est un pinceau de moins bonne qualité. C'est un petit pinceau avec deux embouts mousse, comme vous voyez, pour pouvoir les travailler. Et quand j'aurai l'occasion, je vous ferai un tuto make-up pour ceux qui n'ont pas les moyens de la chocolate. Voilà. Ah. C'est à peu près dans la même. Ça sent un peu moins le chocolat, on va dire. Ça sent plus le chimique. Et je crois que c'est une marque anglaise. C'est designé, enveloppé à Londres. C'est manufacturé in the PRC. I Heart Makeup. Et c'est une marque anglaise. Il y en a 16. Inspiré par notre obsession de chocolat 22 grammes. Et l'autre, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y en a un de plus. 17. 17 phares. Si je sais compter. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Non, 16. C'est moi qui ne sais pas compter. 16. Et je vous fais un bisou. Là, je ne suis pas maquillée, je ne suis pas réveillée. Il fait un temps pourri. Allez, bisous, à bientôt.